tous les mardis, en sortant du collège, la petite Mireille courait vers la rivière. Folâtrant parmi les herbes de Provence, toutes plus odoriférantes les unes que les autres. Petite Mireille, elle plus tard, voulait être navigatrice solitaire. Elle, qui du haut de ses 15 ans, n'avait jamais vu la mer. Ah, pas de sac à main. Ah, on a tout regroupé dans la même soirée. Les enfants, on cherche aussi le sac à main de votre mère. Parce que la rue Morin, c'est pas tout de la trouver en bagnole. Il faut y rentrer. Et ben là, on s'en interdit. Des deux côtés. L'homosexualité, c'est dégueulasse. Pareil, on pense pareil. Ça devrait pas exister, moi aussi. C'est tout à fait ce que je pense. Ouais. Ce que tu voulais. Qu'on aille faire ça dans une chambre chez Jean-Paul? J'ai un minimum de respect pour toi. C'est vrai, tu m'entends parler, c'est juste qu'il a pas l'accent parisien. Tu fermes les yeux, t'as l'impression qu'il est comme nous. Non, oui, oui, bien sûr. Il est comme nous. Merde! Moi, je veux plus qu'on me demande si je préfère être un litre de lait ou avoir Fernandel à la place de la jambe. Maman. Y'a du courrier pour moi? Attends, bah, de me le dire. Est-ce que tu la sens? Oui, je la sens bien. Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens bien? Oh, oui, je la sens bien.